Bonjour, ici Lego Master. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le Star Destroyer. Alors, je crois que c'est un très gros truc impérial. Alors, je vais vous montrer. Alors, d'abord, je l'ouvre. Parce que quand on le ferme, normalement, ça fait quand même un gros truc. Voilà. Des petites tourelles. Voilà. Qui peut tourner dans tous les sens. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Voici la capsule de sauvetage. Avec les réacteurs. Voilà, avec un mécanisme qui les éjecte. Je vais le faire mieux. Voilà. Deux droïdes que j'ai mis au hasard. Voilà, j'ai mis C3PO, un droïde vert, je sais pas. Mais c'est un ostromécano, je peux vous le dire. Là, le sabre de Dark Vador. Là. Et maintenant, je vais vous montrer la salle de méditation de Dark Vador. Alors voilà Dark Vador, sauf que c'est pas le même qui est inclus dans la boîte. C'est un qui était inclus dans le chasseur taille et un vaisseau rebelle, je ne sais pas. Voilà son visage. Et là, Dark Vador, normalement, il peut s'asseoir et avec un mécanisme, on prend son casque. On prend le casque et on le pose, sauf que c'est dur à manipuler, alors je le fais à la main. Et sinon, Dark Vador... il peut prendre son sabre comme ça. Ou sinon, il peut parler avec Palpatine ici. Là. Alors il parle blablabla, blablabla, d'accord. Deux soldats. Une planque. Une planque des armes d'ailleurs. Et maintenant, je vais vous présenter la tour de contrôle. Alors moi, au début, je croyais les deux boules, c'était là où habitaient les pilotes pour piloter. Mais j'ai eu faux. Voilà les antennes. Et aussi des canons laser, mais sinon ils habitent là, les pilotes. Là, j'ai mis un pilote au hasard avec des cheveux blonds, un visage de clone et un corps d'officier impérial. Et voilà la tour de contrôle. Voilà. Et il pilote. Voilà. Et sinon, si on remet comme ça, comme ça, ça doit donner ça. Voilà, sinon ça donne ça, les réacteurs. Merci d'avoir regardé ma vidéo et encore à la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, c'était Lego Master.